Nous sommes encore une fois infiniment reconnaissants de nous tenir ensemble dans ta présence. Alors que nous venons pour entendre de ta part, nous prions Seigneur que tu nous aides encore. Car nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et que ta parole qui est esprit, elle est folie pour nous. Nous ne pouvons la comprendre par nous-mêmes. Aide-nous tous ensemble à transmettre et à recevoir. Afin que cette parole produise en nous la vie éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler justement d'un Dieu des alliances. Et avant d'aller dans la parole de Dieu, je me sens rappelé depuis ce matin. Et comme une jeune génération, en train de monter pour servir Dieu, de ne jamais oublier que nous ne marchons pas seuls. Nous sommes portés sur les épaules des géants, des gens qui sont allés avant nous, qui ont fait le chemin, qui ont sacrifié, qui ont donné de leur vie. Et moi personnellement, je crois que nous sommes encore en train de travailler sur l'onction de nos pères. Et je suis toujours reconnaissant des hommes qui ont, si vous regardez l'histoire du Québec, pour longtemps c'était complètement fermé. Il n'y avait pas de réveil. Et là, il y a une génération aujourd'hui qui est en train de vivre un grand réveil. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons penser que c'est grâce à nous. Je ne pense pas. Je pense que c'est grâce aux gens comme Vernon Larson qui sont littéralement morts en train de prier. Un peuple à ton nom dans la province du Québec. Il y a des géants comme le Paul Graham. Étaient là, qui ont sacrifié alors qu'il n'y avait rien qui bougeait. Et nous sommes venus par après. C'était facile parce qu'ils ont fait un grand travail. Et moi je crois que toute nouvelle génération qui vient, s'ils n'oublient pas cela, ils vont bâtir sur l'onction des anciens. Et ça va être facile d'avoir le réveil. Ne jamais oublier ceux qui sont partis en avant. Pourquoi je partage cela? Parce que ça m'avait attristé un jour d'entendre un jeune prédicateur qui allait dans un champ et qui disait ceci. Il n'y a rien qui a été fait là. Non, non. Il y a des gens qui ont creusé pour que nous ayons la vie facile aujourd'hui. Et nous devons toujours honorer ces anciens qui nous portent sur leurs épaules. Abraham est appelé le père de croyants. Abraham is called the father of faith. Il a été appelé à hors de son pays natal, Dur en Chaldée. He was called out of his own country of origin in the Chaldeans. À 75 ans d'âge. 75 years old. 10 ans déjà dans la retraite. 10 years retired already. Et donc ce n'est jamais trop tard pour commencer. It's never too late to start again. Et il avait 75 ans. He was 75 years old. Quand Dieu lui dit lève-toi et pars. When God told him to get up and go. Et on peut s'épargner beaucoup de détails. And we can avoid or skip a lot of details. Son départ n'a pas été parfait. His going wasn't so perfect at first, il a obéi Dieu. But he obeyed God. Et dans les secteurs là où il a failli, and where he failed, ça a créé des problèmes dans sa marche avec Dieu. Mais toutefois, Dieu est resté fidèle avec lui. Nonetheless, God stayed faithful to him. Et il a eu beaucoup de promesses. He had a lot of promises. Et il a eu des promesses d'être une multitude. He had a promise to be a great multitude. Mais il avait un problème avec cette promesse. But he had a problem with that promise. C'est que lui, il avait 75 ans d'âge. That he was 75 years old. Mais sa femme en avait 65. But his wife was 65. Et jusque-là, il n'y avait même pas un seul enfant. Imaginez-vous un peu. Imagine with me. Dieu vous promet que vous allez être une nation. God promises you will be a great nation. Mais vous n'arrivez même pas à avoir un enfant. You can't even have one child. C'est difficile de vivre sur cette promesse. It's hard to live with that promise. Mais toutefois, il a cru. But nonetheless, he believed. Mais le temps passait. Time went by. Et rien ne bougeait. And nothing happened. Pas un an est passé. Not 1 year went by. Pas 2 ans sont passés. Not only 2 years went by. Je ne sais pas si vous avez une promesse de la part de Dieu. I don't know if you have a promise from God. Et que vous attendez peut-être depuis 10 ans. And you've been waiting for it for 10 years. Et plus le temps passe, and as time goes on, plus tu commences à avoir des difficultés à croire en cette promesse. The more difficult it is to believe that promise. Et Abraham était un peu rendu à cette place. And Abraham was at that point. Et il croyait. He believed. Mais je pense qu'il disait, mais Seigneur, aide mon incrédulité. He was saying, God, help my unbelief. Je crois, Seigneur. I believe, Lord. Mais aide-moi avec mon incrédulité. Help me with my unbelief. Place où Dieu vient encore lui rappeler sa promesse. Et on va aller dans Genèse chapitre 15 aujourd'hui. Le premier verset nous dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham: ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abram, I am the shield and thy exceeding great reward. Et comme tout homme normal, and as every normal man, Abraham répond au Seigneur. Abraham replies to the Lord. Au verset 2, Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. And Abraham said to Lord God, Lord God, what wilt thou give me? Seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Et verset 3, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abram said, behold, to me thou hast given me no seed, and lo, one born in my house is my heir. Et Abraham croyait dans cette promesse. Abraham believed in this promise. Mais cette promesse ne venait pas. But the promise wasn't being fulfilled. Mais comme cette promesse ne venait pas, so since the promise wasn't being fulfilled, il a trouvé une stratégie. He found a plan. Pour entretenir sa foi. To entertain his faith. Seigneur, tu ne m'as pas donné. So Lord, you didn't give it to me. Tu l'as promis. You promised it. Mais je n'ai pas vu. And I didn't see it. Mais je veux faire de sorte. But I'll make sure de ne pas perdre cette foi. To not lose this faith. Regarde, celui-ci, il est né dans ma maison. Look at this man who's born in my house. Je veux dire que c'est ça la promesse que tu m'as donnée. I believe he's the promise you've given me. Dieu dit non, ça ce n'est pas assez bon. God said no, that's not it. Ce n'est pas ce que j'ai promis. That's not what I promised. Nous pouvons arriver à une place dangereuse. We can get to a place that is dangerous. Où nous croyons tellement en Dieu. Where we believe in God so much. Que nous commençons à voir la promesse de Dieu. Where we start to see God's promise. Là où Dieu n'a pas promis, c'est que là où Dieu n'a pas fait une promesse. Where God didn't accomplish his promise. Et Dieu dit non, c'est pas ça. God says that's not it. Et tu sais, on va sauter quelques versets. We'll skip a few verses. Au verset 6, la Bible nous dit: Abraham eut confiance en l'Éternel. In verse 6, it says that Abraham believed in the Lord. Après que le Seigneur lui ait fait compter les étoiles. After the Lord made him count the stars. Il n'a pas un seul enfant. He has no child. Mais Dieu lui dit ta descendance sera comme les étoiles du ciel. But God tells him that your inheritance will be like the stars of the sky. Ça ne fait aucun sens. Il n'y a pas de logique là-dedans. There's no logic there. Mais Abraham a eu confiance quand même en l'Éternel. But Abraham had faith in the Lord. Et là, cette promesse des enfants n'était même pas encore accomplie. This promise of a child was still not fulfilled. Mais le Seigneur renchérit encore. But God is giving even more on top of it. Et il dit au verset 7. He says in verse 7. L'Éternel lui dit encore. The Lord says again to him. Que tout le monde dise encore. Everybody say again. Je n'ai même pas encore vu le premier. I still haven't seen the first part of the promise. Il ajoute encore. And he adds more. Il dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir du Caldée pour te donner en possession ce pays. I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit. Seigneur, je n'ai même pas encore un enfant. Lord, I don't even have a child yet. Comment est-ce que je vais posséder ce pays? How am I going to possess this land? Et Abraham était dans le droit de poser une question. Abraham was in all his rights to ask questions. C'est bon. Je crois pour cet enfant. I believe for this child. Mais regardez le verset 8. But notice verse 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? He said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? Je veux bien croire. I want to believe. Mais donne-moi quelque chose, Seigneur. But give me something. Donne-moi quelque chose sur quoi bâtir ma foi. Give me something to build my faith. Donne-moi quelque chose avec lequel je vais courir. Give me something to run with. Et là, le Seigneur fait quelque chose de particulier. And then the Lord God does something very interesting. Je crois que le Seigneur a regardé dans une ancienne tradition de la pratique d'Abraham. And I think the Lord looks back on the practices of Abraham's old life. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. And the Lord tells him, take a heifer of 3 years old. Une chèvre de 3 ans. A she-goat of 3 years old. Un bélier de 3 ans. A ram of 3 years old. Et une tourterelle. And turtle dove. Et pour sauver le temps. And to skip over a few things here. Abraham prit ces animaux. Abraham takes these animals. Et selon l'ordre de Dieu. And according to God's command. Il divise les 3 gros animaux en 2. Divides the big animals in 2. Et les oiseaux, il les égorge. And the birds, he beheads. Là, il les offre en sacrifice. And then he offers them in sacrifice. Et la Bible nous dit que un sommeil est tombé sur Abraham. And the Bible tells us a great slumber came upon Abraham. Et les oiseaux de proie venaient pour voler le sacrifice. And the birds of prey were coming to steal the sacrifice. Mais Abraham chassait ces oiseaux de proie. Abraham was pushing them away. Abraham les chassait. Was chasing them away. Des fois, ce n'est pas juste assez d'offrir un sacrifice. Sometimes it's not enough to offer a sacrifice. Des fois, il faut préserver le sacrifice. Sometimes you have to preserve the sacrifice. Il faut travailler pour préserver le sacrifice. Alors que il chassait les oiseaux de proie. And as he was chasing those birds away. Et la Bible nous dit que un feu est venu. The Bible says that a fire came. Il vit comme un feu. He saw a fire. Qui est venu et qui est passé entre les 2 carcasses des animaux. That came between the bodies of the animals. Et au verset 18, la Bible nous dit ceci. In verse 18, the Bible tells us this. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. In the same day, the Lord made a covenant with Abraham. Et il dit, je donne ce pays à ta postérité. Unto thy seed have I given this land. Depuis le fleuve d'Égypte, from the river of Egypt, jusqu'au grand fleuve de Euphrate, unto the great river, the river of Euphrates. Et là, on va sauter encore. And we'll skip over this again. Regardez un peu le scénario ici. Notice the scenario here. Abraham dit, comment est-ce que je vais savoir que tu vas me donner cette promesse? Abraham says, how am I going to know you're going to give me this promise? Et Dieu lui dit, voici comment tu vas savoir que tu vas recevoir la promesse. And God says, here you're going to know how you'll receive this promise. Je vais traiter une alliance avec toi. I'll put a covenant between you and me. L'alliance que je traite avec toi. This covenant I'm going to make with you. C'est la garantie que tu vas recevoir ta promesse. Et voici comment on va faire cette alliance. On va couper ces animaux en deux. Et moi, qui est le supérieur dans cette alliance, je vais marcher entre ces deux animaux. Ce qui a une signification profonde pour Abraham. Ça signifiait littéralement ce que nous disons dans le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que nous servons un Dieu d'alliance, non pas un Dieu de contrat, mais un Dieu d'alliance. Il veut sceller une alliance avec toi. Et l'alliance est la garantie que tu vas avoir ta promesse. Alléluia. Et j'aime bien parler de l'alliance et la différence entre l'alliance et le contrat. I love talking about the difference between a covenant and a contract. Et l'exemple parfait de l'alliance, c'est le mariage. The perfect example of a covenant is the marriage. Un contrat fonctionne comme ça. Works like this. Si j'entre dans un contrat avec mon frère, if I go in a contract with my brother, on établit le terme du contrat. We will establish the terms of the contract. Si il ne respecte pas le terme de ce contrat, if he doesn't respect the terms of the contract, le contrat n'est plus valide. The contract is no longer valid. Allô? Right? Mais l'alliance ne fonctionne pas comme ça. The covenant doesn't work that way. On scelle une alliance. When we seal a covenant, comme nous le disons lorsque nous venons devant l'autel, c'est pour le meilleur et pour le pire. It's for better or for worse. Donc même s'il brise les termes de cette alliance, l'alliance demeure. L'alliance demeure. N'êtes-vous pas content de servir un Dieu des alliances? Mais il ne peut pas lâcher. Parce qu'on a une alliance avec lui. On n'a pas un contrat avec lui. Dieu est lié avec nous par une alliance. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ici, nous avons aussi beaucoup de promesses. Et nous pouvons avoir une garantie que nous allons avoir réponse à nos promesses. Parce qu'à chaque fois que nos promesses traînent, nous pouvons rappeler à notre Dieu que tu as scellé une alliance avec nous. Tu as scellé une alliance avec nous. Si tu n'es pas encore dans l'alliance, dans l'alliance. Parce que seulement ceux qui sont dans l'alliance ont cette certitude que leurs promesses vont s'accomplir. Et tu me demandes comment est-ce que je vais entrer dans l'alliance. Et il nous le montre dans sa parole. Dans le livre de Luc. On va juste regarder cela rapidement. Luc, le 22e chapitre. Le Seigneur est en train de passer les derniers moments avec ses apôtres. Au verset 17, la Bible nous dit, ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Verset 17, il dit, il a pris la coupe et il a rendu grâce et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. up and divide among yourselves. Il dit car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. He took bread and gave thanks and broke it and gave it unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood which is shed for you. Et nous avons accès à cette nouvelle alliance. If we have access to this new covenant, tu veux entrer dans cette nouvelle alliance. You want to get into that new covenant. Et c'est la seule chose qui va garantir que toutes les promesses qu'il a faites vont arriver à réalisation. Will come to fruition. Je dois rentrer dans l'alliance. Je dois sceller cette alliance. I have to seal that covenant. Et comme c'était du temps d'Abraham, c'est encore le cas dans cette nouvelle alliance. L'alliance doit toujours être scellée. The covenant must be sealed. Dans le nom du supérieur. In the name of the one who is above. C'est pourquoi je dois rentrer dans ces eaux. That's why I have to go through this water. Dans le nom du supérieur. In the name of the one who is above. Qui est le nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu ne peux pas encore repentir de tes péchés, tu n'es pas encore dans cette nouvelle alliance. You're still not in this new covenant. Si tu n'es pas encore rentré dans l'eau au nom de Jésus, if you didn't go in the waters in the name of Jesus, tu n'es pas encore dans cette alliance. You're not in this covenant. Si tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit, you have yet to receive the gift of the Holy Ghost, avec l'évidence de parler en langue, with the evidence of speaking in tongues, tu n'es pas encore dans cette alliance. You're not yet in this covenant. Cette alliance nous est confirmée dans 1 Corinthiens 15. This covenant is confirmed to us in 1 Corinthians 15. Alors que Paul rappelle l'évangile. While Paul is reminding them of the gospel. Par lesquels nous sommes sauvés. By which we are saved. Et si nous persévérons dans cet évangile. If we endure in this gospel. Autrement nous aurions cru en vain. In other words, or in other ways, we would have believed in vain. Le monde dit aujourd'hui. The world says today. Crois seulement et tu seras sauvé. Believe only and you will be saved. Mais Paul dit. But Paul said. Tu peux croire en vain. You can believe in vain. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux croire en vain. Amen. You believe in vain. Ce n'est pas seulement croire. Believing is not enough. Et c'est croire. It's believe et faire. Amen. Mon pasteur dit toujours ceci. My pastor always says this. Si je criais au feu. If I yelled fire. C'est clair que vous ne croyez pas. Parce que vous êtes en train de me regarder en souriant. Parce que si vous croyez qu'il y avait le feu, moi et le frère Jérémy ici, on serait le dernier à quitter cette salle. Vous allez oublier le prédicateur. Vous allez oublier même sur quoi il prêchait. Vous allez être Tim Hortons. Alléluia. Mais parce que vous ne croyez pas, vous ne faites rien. Vous êtes encore assis là. Et si tu crois, tu vas faire quelque chose. Alléluia. Si tu crois, tu vas faire quelque chose. C'est pourquoi, alléluia, Pierre était envoyé à Corneille. Pour qu'il lui dise ce qu'il fallait qu'il fasse. Alléluia. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, après la prédication, la question était posée. The question was asked. Oh frère, brethren, que ferions-nous? What must we do? Parce que nous devons toujours faire. Because we always have to do. Pour rentrer dans l'alliance, il faut que tu fasses. You have to do. Il faut que tu fasses. Cette nouvelle alliance, this new covenant, la Bible nous dit, elle est meilleure que l'ancienne. Elle est meilleure parce qu'elle est éternelle. Parce que celui qui l'a scellée ne meurt plus. Amen. never dies. Et l'alliance ne peut s'arrêter qu'avec la mort de celui qui l'a sauvé. Or, il est éternel. Il nous a promis le réveil. Mais la garantie que nous allons avoir le réveil, c'est de demeurer dans l'alliance. Il a promis de sauver nos familles. La garantie que nous allons avoir cette réponse, c'est de rester dans l'alliance. Au-delà de cela, il nous a promis qu'il est parti pour préparer une place. Il nous a promis un pays qui est meilleur que le Canada, qui est meilleur que le Congo. Vous savez, je vais parler de moi-même d'abord. Parce que je ne veux pas que personne se fâche. Si j'ai quitté le Congo pour venir au Canada, c'est parce que j'ai estimé que le Canada était un meilleur pays que le Congo. Amen. Alors, faux. Sinon, je serais resté là-bas. Allô? Amen. Alléluia. Et donc, je suis venu avec une promesse d'un meilleur pays. Mais malheureusement, j'arrive ici, je vois d'autres choses que je ne voyais pas quand j'étais là-bas. Et pour le moment, je suis insatisfait des deux côtés. Je viens ici, je suis insatisfait. Je retourne là-bas et je suis insatisfait. La première fois que je suis retourné au Congo, avant que je ne parte, je disais toujours à ma femme, j'ai hâte de retourner chez nous, j'ai hâte de retourner chez nous. Quand j'étais au Congo, une semaine après, quand j'ai parlé à ma femme, je me disais j'ai hâte de retourner chez nous, j'ai hâte de retourner. Parce que je ne savais plus où c'était chez nous. Il n'y avait pas de satisfaction ici. Il n'y avait plus de satisfaction là-bas. Mais nous avons une promesse. Demeurons dans l'alliance. Demeurons dans l'alliance. Si tu n'es pas encore dans l'alliance, entre dans l'alliance aujourd'hui. On va lire 1 Corinthiens 15. Je voulais éviter de le lire, mais on va le lire. I was trying to avoid it, but we'll read it together. 1 Corinthiens 15. On va commencer par le premier verset. Paul est en train de dire à l'église de Corinthe ici. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received and where you stand. Paul dit, je vous ai annoncé l'évangile. Paul says, I've declared the gospel. Et vous avez reçu l'évangile. And you've received the gospel. Et vous persévérez dans l'évangile. And you persevered, or you stood in the gospel. Non seulement je dois recevoir l'évangile. Not only do I have to receive it, mais je dois persévérer dans l'évangile. I must persevere or stand in that gospel. C'est pourquoi ils sont menteurs. C'est pourquoi ils sont des menteurs. Ceux qui disent que une fois sauvé, sauvé pour toujours. Je dois persévérer dans l'évangile. Et il dit au verset 2, et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Mais il nous donne une condition. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Et donc il dit tel que je vous l'ai annoncé. Vous devez le garder. Autrement, vous allez croire en vain. Otherwise, you'll believe in vain. On ne peut pas changer l'évangile. We can't change the gospel. On ne peut pas altérer comment nous sommes sauvés. We can't alter how we're saved. Autrement, ça devient vide. In other words, or in other ways, it becomes empty. Ça ne fait pas ce que c'est supposé faire. It doesn't do what it's supposed to do. Et regardez le verset 3. And notice verse 3. Il dit, oh, je vous ai enseigné avant toute chose. For I delivered unto you first of all. Avant toute chose. First of all. Voici ce que je vous ai enseigné. Here's what I delivered to you. Alléluia. Avant toute chose. First of all. Nous devons prêcher l'évangile. Avant toute chose. First of all. C'est l'évangile d'abord. Parce que c'est la chose qui compte. It's what matters. Avant qu'on parle de toute autre chose. Before we speak of anything else. On parle d'abord du salut. We speak first of the gospel. Amen. Je me rappelle d'une histoire. Remember a story. J'ai beaucoup d'histoires. I have a lot of stories. Et il y a un jeune homme à qui je prêchais l'évangile. Young man who was preaching the gospel. Je pense que le pasteur Yannick peut se rappeler de ces jours-là. I think Yannick remembers those days. Il y avait un grand groupe de jeunes. There's a great number of young people. Et je prêchais, j'enseignais, je prêchais l'évangile. I was preaching the gospel. Et il a commencé à dire que bon, lui, il voulait parler plutôt de la dîme. And for him, he wanted to talk about tithes. Et il disait, ben, dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas obligés de donner la dîme. He said, in the New Testament, we don't have to give tithes. Et moi, je le ramenais d'abord à l'évangile. I brought him back to the gospel. Et puis, il me ramenait encore à la dîme. And he would keep bringing me back to the tithes. Je le ramène à l'évangile. I brought him back to the gospel. Il me ramène encore à la dîme. Bring me back to the tithes. Et finalement, je lui dis, écoute, mon ami. I told my friend. Avant qu'on commence à discuter de l'impôt au Canada, before we start talking about income taxes in Canada, il faut qu'on arrive d'abord au Canada. You first have to get to Canada. On ne peut pas argumenter sur les taxes au Canada. You can't argue about the taxes in Canada. Si on ne vit même pas au Canada. If you're not even living in Canada. Ayons d'abord la résidence permanente. Avant de commencer à parler des impôts et des taxes. Before we start talking about taxes in Canada. Entrons d'abord dans le royaume. Entrons d'abord dans le royaume. We have to get first in the kingdom. Avant toute chose. Before all things. Je vous ai enseigné avant toute chose. Ce que j'avais aussi reçu. Which also I received. Comme je l'ai reçu. As I received. Je ne l'ai pas changé. I didn't change it. Je voulais transmettre tel que je l'ai reçu. But I preached it as I received it. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? But what did I receive? J'ai reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. That Christ died for our sins according to the Scriptures. Qu'il a été enseveli. That he was buried. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Rose the third day according to the Scriptures. Et c'est ça l'évangile. That's the gospel. C'est ça la bonne nouvelle. That's the good news. Et c'est ce qui me fait rentrer dans cette alliance. Mais comment est-ce que je rentre dans cette alliance? En m'identifiant à cet évangile. Et Christ a dit, je le veux. Christ says, I want it. Mais moi aussi, je dois dire, je le veux. I also have to say, I will. Parce que vous voyez quand on vient à deux. When we come together, pour sceller l'alliance, two of us to seal that covenant. L'homme dit, je le veux. The man will say, I will. Et puis il espère que la femme va dire aussi, je le veux. And he hopes that the woman will say, I will. Parce que si elle dit autre chose, because if she says something else, il n'y a pas d'alliance. There's no covenant. Allô? Amen. Amen. Alléluia. Apparemment, il y a des mariages qui arrivent comme ça. Apparently, there's marriages that come together. Où ils arrivent, l'homme dit je le veux. Where the husband says I will. Et la femme dit bon. The woman says well. J'ai changé d'idée. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Mais Christ a dit je le veux. Christ said I will. Il est mort à la croix. He died on the cross. Moi aussi je dois dire je le veux. I also have to say I will. Je me répands de mes péchés. Alléluia. Ma repentance. My repentance. Et ma réponse à sa mort. Is my answer to his death. Il a été enseveli. He was buried. Il a dit je le veux. He said I will. Mais moi aussi je dois dire je le veux. I also have to say I will. Je dois être enseveli avec lui. I have to be buried with him. Dans les eaux du baptême. Mon baptême d'eau est la réponse à son ensevelissement. 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia. Il a dit je le veux. ressuscitant. Et moi, en recevant le don du Saint-Esprit, c'est ma réponse à sa résurrection. S'il a dit je le veux, non, si je dois dire je le veux, que je puisse entrer dans cette alliance. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore dans cette alliance aujourd'hui? Si tu n'es pas encore dans cette alliance, tu peux entrer dans l'alliance aujourd'hui. Et c'est seule l'alliance qui est la garantie que ces promesses vont être accomplies. Du temps que nous sommes dans l'alliance, nous allons voir le réveil. Alléluia. Du temps que nous demeurons dans l'alliance, le réveil va arriver. Toutefois, Abraham n'a pas vu cette multitude. Other times, or Abraham didn't see the multitude. Mais nous aujourd'hui, nous pouvons voir cette multitude. But we today can see that multitude. Être un témoignage pour Abraham. To be a testimony for Abraham. Il y a ceux de nos anciens qui ont persévéré dans cette alliance, qui n'ont peut-être pas vu ce que nous sommes en train de voir. Pour eux, c'était juste une promesse de la part de Dieu. Mais nous sommes en train de célébrer la réalisation de cette alliance. Nous sommes en train de célébrer l'accomplissement des promesses de cette alliance. Et je vais encourager tous nos anciens. Alléluia. Si vous êtes là, vous avez travaillé dans la moisson. Il semble que Dieu ne donne pas encore ce qu'il a promis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demeurer dans cette alliance. Ne cherchez pas ailleurs. Alléluia. Votre descendance va voir cette promesse. De cette alliance. Alléluia. Et Dieu va le faire. J'ai cette assurance que Dieu va le faire. Alléluia. C'est pourquoi je donne cet avertissement à cette jeune génération. Nos anciens ont marché dans cette alliance. Marchons dans cette alliance. Alléluia. Marchons dans cette alliance. Nous ne sommes pas plus intelligents. Et moi, je crois sincèrement que nous n'avons pas encore le produit de nos prières. Nous sommes en train de moissonner sur les prières de ceux qui nous ont précédés, sur l'onction de ceux qui nous ont précédés. Mais nous devons nous assurer que ceux qui viennent après nous ont aussi une réserve de prière sur lesquelles ils vont moissonner. Si on se lève tous ensemble, si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous devez être baptisé au nom de Jésus pour entrer dans cette alliance. Vous voyez, quand il y a un an, presque 2 ans maintenant, que ma seule et mon unique fille s'est mariée. Et c'était un moment difficile pour moi. Elle est venue en avant de l'église, elle était dans la voiture. Et comme si ce n'était pas déjà assez difficile, j'ai demandé à un pasteur de prêcher. Et il a dit non, c'est toi qui dois donner le message. Et je suis sorti de l'église. Et je suis entré dans la voiture, seul avec ma fille. Et je l'ai regardée. Je lui ai dit, je voulais juste passer un dernier moment avec toi. Alors que tu portes encore mon nom. Parce que je sais que quand tu vas rentrer dans cette église, tu vas rentrer comme Sifa Kahosi. Mais quand tu sors de cette église, tu vas sortir de là comme Sifa Kabwa. You'll leave with Sifa Kabwa. Parce que tu rentres dans une alliance. Because you're entering a covenant. Et c'est la même chose pour nous. It's the same thing for us. Quand nous rentrons dans l'alliance, we enter a covenant. Nous rentrons avec un nom. We enter with a name. Mais nous sortons avec un nom différent. Si tu es là, et tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois rentrer. Tu dois rentrer dans ces eaux et les sortir avec un nouveau nom. Et cela est possible aujourd'hui. Et c'est pas Emmanuel, Ariel. Ariel est venu. C'est quoi ton nom de famille, Ariel? P. Elle est venue comme Ariel Périer hier. Ariel came yesterday as Ariel Périer. Et elle a entendu le message. She heard the message. Et elle est rentrée dans les eaux. She came to the water. Et le nom de Jésus a été invoqué sur elle. Son nom c'est Ariel Périer Jésus. Tu n'es pas encore dans l'alliance. Quand tu rentres dans l'alliance, le nom de celui qui est supérieur dans l'alliance devient ton nom. Alléluia. Si on peut baisser nos têtes. Nous servons un Dieu extraordinaire qui, pour l'amour d'un seul, il va mobiliser toute une logistique pour atteindre juste une personne. Je ne sais pas qui tu es. I don't know who you are, mais tu es assez important pour lui aujourd'hui. So pour qu'il mobilise tout ceci. To make all of this happen, afin que tu puisses porter son nom. So that you can have his name. Et que tu rentres dans son alliance. Peut-être que tu n'as pas encore été enseveli en son nom. Maybe you've yet to be buried his name. Alléluia. Ne pars pas de sérieux. Don't leave this place. Sans revêtir de son nom. Peut-être que tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit. Avec l'évidence de parler en langue. Ne pars pas de ces lieux sans rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous à répondre à ton appel. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je pense que ça serait approprié que si on peut prendre notre voisin par la main, afin que personne ne reste en arrière. On vienne en avant et qu'on passe un peu de temps. Et pendant que nous venons en avant, demande à ton voisin, es-tu déjà rentré dans l'alliance? Alléluia. Et s'il répond non, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Nous avons l'eau. Nous avons les vêtements de l'échange. Nous avons des serviettes. Ça ne prend que de l'obéissance. Alléluia. Et si nous pouvons élever nos voix, alléluia, et parler au Seigneur toi. Alléluia. Si nous pouvons, alléluia. Si nous sommes déjà dans l'alliance, si nous pouvons élever nos voix et nous tenir dans la brèche, alléluia, tenir dans la brèche pour cette région. Nous tenir dans la brèche pour cette région. C'est que, alléluia, nous anticipons l'accomplissement de ta promesse. Parce que nous demeurons fermes dans ton alliance. Alléluia. Ton alliance est cette garantie, Papa. Que le Nouveau-Brunswick va voir ta promesse. Que le peuple francophone de ces lieux vont voir ta gloire, Seigneur. Il a bachada parce que tu as tourné ta face vers eux. Parce que tu les attires aujourd'hui. Tu as tourné ta face vers eux. Tu as un plan pour ce peuple, Seigneur. Un peuple à ton nom parmi les francophones. Un peuple à ton nom, Papa, au Nouveau-Brunswick. Au nom de Jésus, la chacun. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Alléluia. Attire-les du nord. Attire-les du sud. Attire-les de l'est. Attire-les de l'ouest. Alléluia. Un peuple à ton nom, Seigneur. Alléluia. C'est notre temps. C'est notre temps. Alléluia, c'est notre temps. Alléluia, alléluia, Jésus. Just stop talking for a moment. Dieu d'alliance, alléluia. Alléluia. Et il veut sceller cette alliance avec toi. Il veut sceller cette alliance avec toi. Alléluia. Si tu élèves ta tête, alléluia, que tu laisses sortir ta voix. Si tu élèves ta tête, alléluia, que tu laisses sortir ta voix. Une tête baissée est un signe de culte. Qui vont compter choses qui se passent. Et ça vous fait que vous avez des grosses migraines. Et l'Éternel, notre Seigneur, veut vous guérir. Alors je vous invite, si vous êtes cette personne, et je vous invite de venir à l'avant. Et bien nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Et même par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Venez. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et même les frères et les sœurs. Et bien nous allons prier. Et Dieu va répondre. Dans le nom de Jésus. L'Église, ce n'est pas temps d'arrêter. C'est temps de croire. aussi mentionné quelque chose. Il a déclaré que nous devons nous tenir dans la brèche. So, je me demande en fermeture ce matin, et même si vous pouvez trouver une soeur ou un frère, et même débrouiller ensemble, et même et dit, papa, je me tiens dans la brèche pour ma famille. Je me tiens dans la brèche pour ma communauté. Je me tiens dans la brèche pour le peuple francophone. Je me tiens dans la brèche pour mes frères et mes soeurs. Je me tiens dans la brèche pour mon pays. Alléluia, papa. À ce moment, Seigneur Jésus, Seigneur, nous prions ensemble. Alléluia, nous avons la foi. Toute chose est possible. Tout celui qui croit, il est capable de faire au-delà. Et celui qui peut penser, imaginer, c'est la puissance qui travaille en nous. Et tu es en nous, Seigneur. Alors, toute chose est possible. Alors, nous prenons la pêche. Papa, nous prions. Dans le nom de Jésus, ouvre les portes de nos familles, sauve la communauté, pour ta gloire, pour la royaume. Alléluia, nous prions. to Jesus.